Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de mode. Et je m'appelle Israfil. Alors les amis, je sais que vous avez toujours rêvé d'adopter un enfant glitch, d'adopter un enfant avian, je sais pas, adopter un enfant ilotl. Et bien aujourd'hui, ce sera chose faite, vous pourrez faire ceci, vous pourrez adopter n'importe quel enfant venant de l'espace, n'importe quel enfant galactique. Bien sûr, les Apex, pas d'enfant, il vaut mieux pas pour vous. Donc regardez, là j'ai un enfant glitch, c'est plutôt rigolo. Par contre, je sais pas si j'ai des interactions avec, non. Non mais tu peux parler, tu peux faire quelque chose. Ok, apparemment il ne fait rien, c'est un enfant en même temps. Il peut se battre au moins. Je peux le tuer? Non, non plus. Ok. Hop, toi, t'étais moche. Donc je vais vous montrer, grâce à ce mode, comment créer ces petits enfants. C'est le bordel chez moi, voilà. Alors, les amis. Comment il a fait pour monter là-haut? Ok. Les amis, grâce à ce mode vous allez pouvoir crafter n'importe quel enfant de n'importe quelle race. Ça ajoute en fait des enfants. Et je crois que même dans les villages vous pourrez en trouver, je crois, si je ne dis pas de conneries. Donc ça va être un peu spécial, puisque pour crafter ces enfants, il va vous falloir un Apex Life Support Pod. C'est un truc que vous trouvez dans en général les laboratoires Apex. Par contre, il faut qu'ils soient vides. Il y en a qui sont pleins, il y en a qui sont vides. Cherchez bien ceux qui sont vides. Et voilà, vous pourrez en crafter. Je vais vous montrer ça de suite. Ensuite, il vous faut de la viande. Comme vous pouvez voir, 15 viandes, attention. 10 de cuir, 1 Apex Life Pod et 1000 pixels. Ok, pour chaque enfant, ça change pas. Alors c'est parti. On va se créer un enfant humain. D'ailleurs, il ressemble à un Pakistanais, c'est bizarre. C'est parti. Hop. Voyez, là ça crée le Apex Life. En fait, il était vide et maintenant il est rempli. Donc l'enfant est à l'intérieur. C'est un enfant venant d'un laboratoire. Vous avez pu créer grâce à votre génie un enfant, regardez. Et magie. Et voilà. Le Pakistanais me suit. Énorme. Énorme. Regardez, il court exactement pareil, mais what the fuck. Ok, est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose ensemble? Non. Ok. À part avoir un enfant et des enfants qui vous suivent, donc des enfants chiants, c'est un peu inutile apparemment. Mais franchement, c'est plutôt rigolo. D'ailleurs, si vous voulez que j'ajoute ce mode sur le serveur, eh bien, dites-me-le. J'espère que d'ailleurs il sera compatible, hein, puisqu'il faut qu'il soit compatible pour que je puisse l'ajouter au serveur. Bon, et bien les amis, ce sera tout. Je vous mets le lien du mode dans la description, comme d'habitude. Et pour l'installation, c'est comme d'habitude. Et si vous ne savez pas, eh bien vous pouvez trouver mon tuto dans la playlist, ou dans ma chaîne tout simplement, comment installer un mod sur Starbound. Bon les amis, c'est l'heure de se quitter, j'espère que vous aurez apprécié ce mod, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker pour me soutenir et à partager la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous, sinon je le dirai à ma maman.